Salut! Alors, sur cette chaîne, j'ai pas l'habitude de traiter des sujets qui ont été traités 250 000 fois. Il y a beaucoup plus de blabla que de concret. Je vais pas faire une énième fois un montage moteur ou un truc comme ça, alors qu'il y a des chaînes, des tas et des tas de chaînes qui en parlent. J'aime bien faire voir des trucs un peu particuliers, comme ce qui suit. Alors, j'ai une petite demande particulière sur 51. Donc, moi, je connais pas trop bien Tebec. Voire même quasiment pas du tout, enfin très peu en tout cas. J'en ai eu quelques-unes, mais c'est pas ma grande passion. Je suis un peu plus 103, voyez-vous, comme beaucoup. Donc là, apparemment, il y a un problème sur Tobek. Donc, c'est sur les kits. Sur certains kits, ils filent des pistons, et en fait, les cages à aiguilles, elles nagent dedans. Et apparemment, il n'y aurait pas la bonne largeur de cage à aiguilles pour empêcher de faire trop de va-et-vient dans le piston. Donc, sur une demande particulière, j'ai quelqu'un qui m'a demandé d'usiner deux petites rondelles relativement précises qui viennent s'encastrer sur l'axe piston pour maintenir la cage à aiguille bien bien dans le centre du piston. Donc cette personne-là m'a envoyé cette barre d'alu dite de qualité aéronautique. Personnellement, je sais pas réellement ce que ça veut dire, mais bon, cette personne-là, j'y fais confiance, hein, je suppose qu'elle fréquente un peu le milieu et qu'elle a réussi à se procurer cet alu-là bien particulier. Donc elle m'a envoyé ça, et là je fais une petite vidéo parce que comme je demanderai un 4 morts qui est déjà monté sur le tour, ça va me permettre de prendre ça et de passer d'une barre carrée à une barre ronde. Donc déjà dans un premier temps, je vais le foutre dans le mandrin, je vais aller rectifier les deux faces, déjà. Ensuite je vais tracer et je vais essayer de trouver le centre à peu près correct et je vais essayer de bricoler pour que cette barre-là qui est carrée arrive à l'avoir ronde et la faire rentrer dans un mandrin 3 morts standard, qui va me permettre d'usiner ces deux petites rondelles qui vont aller dedans. Alors, personnellement, vu l'accélération que prend un piston, je sais pas honnêtement si c'est une bonne idée d'aller y caler deux rondelles là-dedans. Parce qu'elles vont se chauffer, elles vont se déformer, elles vont prendre vraiment, vraiment très très cher en accélération, dans les montées en régime, tout ça, quand le piston il arrive en haut et qu'il repart vers le bas à 9 000 tours minute, je veux dire, la rondelle, elle va avoir tendance à s'envoler. Donc, il faut que je limite vraiment les jeux au niveau de l'axe piston, il faut qu'elle s'en mange bien grasse, la rondelle. Et ça va être très difficile avec les tolérances que j'ai sur mon tour. Je ne sais pas si je vais y arriver, je promets rien. En tout cas, si la vidéo est mise en ligne, c'est très certainement j'y serai arrivé. Donc bon, on va voir ce que ça donne. C'est bien parce que je trouve ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est des petites expérimentations qui permettent de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir dans la mobylette des montages classiques. Bon allez, c'est parti, je passe au tour. Bon, alors il se trouve que contrairement à ce que j'aurais voulu, la barre ne rentre pas dans le mandrin. J'aurais bien voulu qu'elle puisse rentrer dans le tube qui va derrière et qui ressort de l'autre côté du carter, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça y va pas grand-chose, hein. Mais ça y va pas. Alors, il se trouve que bien évidemment, ça tourne comme une patate. Alors, je l'ai centré plus ou moins à l'œil, mais on voit clairement que c'est pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement. Comme je peux pas le surfacer ni rien, parce que là je peux pas le surfacer en bout, ça va pas être possible, ça va être dégueulasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une croix directement au crayon. Je vais faire un marquage à la poitrole dans le milieu qui va m'indiquer le centre. Enfin, centre approximatif, mais du mieux que je peux pour l'avoir à l'œil. Je vais approcher ma contrepointe comme ça, serrée dedans, vu qu'après évidemment ça va être pris dans une contrepointe. Et je vais essayer d'ajuster la pièce au mieux pour que ça tombe le plus en face possible de ma contrepointe. Alors je garantis rien. Je vais essayer, c'est bien, c'est différent, au moins on va voir ce que ça donne. Alors c'est des techniques, moi je suis pas tourneur fraiseur, donc c'est des choses qui sont complètement improvisées. Là j'essaye de voir sur le tas et de me débrouiller comme je peux. Allez, je vais tracer, et je vais essayer d'ajuster, on va voir ce que ça donne. Bon, donc voilà, je me suis occupé de faire un petit marquage, une simple croix au crayon de papier, fait au jugé, hein, avec une simple règle, et puis voilà, avec un petit coup de pointeau dans le milieu, et puis voilà. Maintenant, je vais caler ça dans mon mandrin. Et je vais essayer d'aller aligner ça, tant bien que mal, avec ma contrepointe. Bon, donc là au niveau de l'alignement, j'ai du mal à voir mieux. Je vais être. Je dois avoir quasiment, je vais dire une bêtise, mais genre un demi-millimètre de battement. Pour moi, c'est très difficile de faire mieux juste à l'œil comme ça avec la pointe. Donc je vais aller percer son emplacement pour la contrepointe définitive. Et puis petit à petit, on va enlever un peu de matière et puis on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc bon là, pour des raisons
complètement évidente de stabilité parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui se fasse mal et que je me prenne la barre dans la tronche. Donc je vais tourner très doucement. Normalement, je devrais aller assez vite hein, pour aller faire son encoche là-dedans, enfin sa pointe, mais ça va pas être possible hein, vu l'emmanchement du bidule. Donc je vais y aller doucement, hein, on va y aller en sécurité, on va voir ce que ça donne. Donc là voilà, d'après moi normalement ça doit être bon. Je dois être capable d'emmancher ma contrepointe sans trop de défauts, sans trop de problèmes. Donc bon, on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, donc là selon moi je suis posé, c'est pas trop mal. On va essayer d'y aller niveau usinage tout en douceur. Je pense que mon chariot, je risque d'être obligé de l'incliner, je ne sais pas s'il va passer correctement. Ah, ça passe juste. Hein. Ça passe très juste. Donc bon, bah, ma foi, je vais tenter de faire une première passe. Je vais voir comment ça se comporte. Et puis je vais y aller tout doucement dans ce sens-là jusqu'à essayer, tenter en tout cas d'avoir quelque chose le plus rond possible, en espérant que ça tape pas trop de partout. Hein. Je vais essayer d'y aller doucement, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, alors là, il se trouve que j'ai fait une passe de 0,5. Ça s'avale vraiment pas trop mal. Hein. J'ai l'impression d'usiner du beurre. Vu que là, avec la contrepointe, je suis plus ou moins en sécurité. Je pense que je vais augmenter un peu la vitesse du tour parce que là je suis à 170 tours et franchement c'est pas assez. On va le monter un peu. Je pense que je vais le monter sur les coups de entre 300 et 500 tours. Je pense que ça pourra l'avaler sans aucun problème. C'est vraiment du beurre. Hein. Bon, allez, c'est parti. Bon, alors j'ai l'impression que la coupe se passe pas si bien que ça. C'est quand même. C'est plus que moyen, c'est même, j'ai envie de dire, pas terrible. Ça a tendance à déchirer la matière plus qu'à vraiment la couper. Donc je sais pas si c'est mon diamant qui est fatigué ou quoi. Dans le bénéfice du doute, je vais changer mon diamant pour avoir une attaque un peu plus. Agressive, ou alors je vais peut-être prendre un outil plus fin qui va avoir une attaque plus agressive parce que là j'ai l'impression que ça use la pièce par frottement plus que ça la découpe, ça la taille réellement. Donc je vais voir ce que je peux faire hors cas, mais je reviens après. Bon, donc là j'ai opté pour un outil qui a un tranchant beaucoup plus agressif. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais y faire une passe de 0,5. Donc j'ai repris mon 0 et on va voir ce que ça donne. Bon, donc là, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. J'ai vraiment une attaque qui est beaucoup plus franche. Donc, je vais carrément passer tout de suite à une passe de 1 mm. Parce que j'ai pas envie d'y passer 15 jours, déjà que c'est long. Allez, c'est parti. Bon, alors entre-temps, j'ai augmenté un petit peu la vitesse du tour. Je suis passé à 750 tours minute parce que entre chaque passe, j'ai vraiment le temps d'aller me boire un café. Donc, contre toute attente, j'ai l'impression que plus j'augmente les tours, mieux ça se passe. Là, en plus, les arêtes, elles ont déjà commencé à être relativement bien arrondies. Donc là, je suis passé sur des passes de 1 mm. Donc, je pense que la prochaine, je vais même carrément la monter à 2 mm parce que selon moi, ça va l'avaler sans trop de problèmes. Ou au moins 1,5 mm, et je vais voir comment ça se comporte. Si ça se comporte mal, je ferai une passe plus petite. Si ça se comporte bien, j'augmenterai un petit peu jusqu'à ce que je voie que ça fasse de la merde. Allez, c'est parti.
Bon, alors là, avec des passes de 2 mm, c'est même encore mieux, j'ai envie de dire. Donc là, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc je vais rester comme ça jusqu'à obtenir une barre ronde la plus parfaite possible. Et après, j'irai tailler mes rondelles dedans de la façon la plus précise que je vais pouvoir. Ça va être un peu laborieux. Mais bon, vu que ça avance bien dans ce sens-là, je vais continuer dans ce sens-là. Ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Bon, donc une fois avoir taillé tous les angles du carré rectangle, enfin de la pièce qu'on m'a donnée pour tailler dedans, le diamètre fait 19,40. Alors bon, mon tour il est un peu conique, hein, forcément là où je prends la cote. Là j'ai 19,30. 19,30, 19,25, 19,27, ouais. 19,20, ouais, bon, elle est légèrement conique la pièce sur la longueur, elle est légèrement conique. Mais ça, je le sais, de toute façon, peu importe où je prends les mesures, de toute façon, j'ai 5 centièmes. Donc voilà, donc non, c'est pas 19,40, c'est, allez, en moyenne. Ah, quoique, ah, ici j'ai pas loin des 19,40. Hein. En fait, la pièce elle est même légèrement bombée à cet endroit-là. Bon. Soit après, une fois que je vais l'avoir fait tourner un petit peu plus vite et tout, ça va le rectifier un petit peu. Bon, maintenant, je vais enfin pouvoir passer au mandrin 3 morts. En espérant que là, cette tige-là puisse rentrer dedans. Normalement, je pense que oui. Ensuite, je vais aller usiner là-bas au bout et je vais enfin pouvoir faire un usinage entre guillemets plus conventionnel, c'est-à-dire sans tout l'emmerdement que j'ai eu là, quoi. Bon allez, c'est parti, je passe à la suite. Bon, là je fais une petite aparté. Je sais pas si je me suis fait une petite réflexion que je voulais faire partager. Je sais pas si vous voyez le jeu quand on est vraiment enfant, je vais dire de 0 à 3 ans, le fameux jeu où on doit mettre les carrés dans les carrés, les triangles dans les triangles, les ronds dans les ronds, etc. Et c'est marrant, c'est que quand on devient plus grand, on va dire, ben en fait, un truc carré, on le transforme directement en rond et on arrête de se faire chier, quoi. C'est con, mais cette réflexion m'a fait rigoler. Bon, blague mise à part. Comme quoi, hein, à l'œil, on arrive à des trucs qui sont pas dégueux. Donc là, le but était juste de tailler un rond dans un carré. C'est pas en gardant le plus de matière possible, c'est-à-dire en ayant la barre la plus grosse possible, la plus centrée possible dans le carré. Et ben, on n'en est pas loin. Alors, je sais pas si vous voyez ici, là, mais vraiment le rebord, il est dérisoire. Il y a peut-être moins d'un dixième, et là, on est carrément à fleur. Là, il y a peut-être quelques centièmes. De ce côté-là, il y a peut-être moins, il y a plus ou moins 1 mm d'écart, hein, mais bon, la pièce est pas, le carré était pas, enfin le rectangle n'était pas complètement rectangle, il était un petit peu taillé de bien, un petit peu triangulaire. Donc comme quoi, juste à l'œil, moi je suis pas tourneur-fraiseur, hein, j'ai aucune technique, hein, moi je fais ça sur le tas comme ça me vient, et comme quoi, bah, juste à l'œil, comme ça, en se démerdant un peu, en réfléchissant 2 minutes, des fois on arrive à faire des trucs. À peu près correct. Bon, là, ça nécessite aucune précision, hein. Mais voilà, comme quoi on arrive des fois à se démerder avec pas grand-chose, hein, juste avec ses yeux, en regardant, en observant, et voilà. C'est juste cette petite réflexion que je voulais vous faire part à ce sujet. Allez, on retourne au tour. Bon, maintenant, j'ose espérer que ça se prenne dans mon mandrin 3 morts comme il faut. Que je puisse usiner ce petit bout de carré qui dépasse afin d'obtenir la barre la plus droite possible et la plus longue possible. Impeccable. Là, c'est vraiment. Oh, j'ai pas envie de dire parfait, mais
Mais presque. Donc comment je vais la reprendre après? Ouais, allez, je vais me la faire à la louche, je vais me laisser un petit peu de marge de manœuvre. Et allez, c'est parti. Bon, voilà, je m'arrête là pour l'instant. J'ai une belle barre bien rectiligne, bien propre, dans laquelle je vais enfin pouvoir tailler quelque chose qui ressemble à des bacs qu'on va pouvoir enquiller sur un axe de piston pour maintenir une cage à aiguille bien dans son centre. Bon, donc là j'ai tout préparé, entre guillemets, tout comme il fallait. Donc je me suis fait un petit repère sur le banc pour pas aller trop profond, parce que moi j'ai pas percé l'intégralité du tube. Donc arrive un moment, il va bien falloir que je m'arrête. Donc je me suis fixé un repère. Le repère, c'est un simple trait blanc directement sur le banc, et je me suis laissé quelque chose comme un bon 2 mm de marge. Ça paraît peu, mais bon, je pense que normalement ça devrait suffire. Voyons voir, ouais, normalement ça devrait largement suffire. J'ai réglé la hauteur de l'outil. Alors, moi, au niveau du vernier en transversal, je suis gradué à un dixième. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'enlève approximativement un dixième. Là, ici, c'est sur la tourelle, c'est 5 centièmes par 5 centièmes. Donc, comme elle incline à 45 degrés, je devrais pouvoir réussir par graduation à grappiller 2,5 centièmes par 2,5. Donc, ce qui me permettra d'avoir une cote relativement précise avant d'enquiller mon papier à poncer pour grappiller les centièmes qui restent pour pouvoir enquiller mon axe de piston. Donc c'est une première hein, pour moi, c'est typiquement le genre de truc que je ne fais pas normalement. Mais bon, on va voir si ça se passe bien, ça se passe bien. Et si ça se passe mal, eh bien ça se passe mal. Hein. Allez, c'est parti. Bon, alors, premier essai raté. Donc, en fait, j'ai enlevé un tout petit peu trop de matière. Mais vraiment, ça se joue genre 1 ou 2 centièmes. Hein. Il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Parce que là, l'axe, il s'en mange. Il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est vraiment infime. Hein. Une fois qu'il arrive dans le fond, je veux dire, on peut, à moins de le ressortir à la soufflette, enfin, on voit bien vraiment que c'est super étanche quand même comme truc. Hein. Donc là, on se doute bien que vraiment le jeu est très très infime. Moi, ça me plaît pas. Moi, je ne monte pas ça sur un piston. Il y a vraiment 3 fois rien. Je pense que il y aurait moyen de. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de mieux faire. Il me reste encore pas mal de barres à aller taquiner. C'est dommage hein, parce que là vraiment j'étais pas loin. On sent ça fait même effet ça fait même un peu effet ressort quand le bout est hermétique. Mais ouais. Bon, je vais déjà m'entraîner à tailler mes 2 rondelles là-dedans, voir un peu comment ça se comporte, et puis bah, j'irai retaper plus loin dans la barre
En espérant pas me planter trop de fois, parce que bah, sinon, c'est simple, hein, je pourrais juste pas le faire en fait. Donc voilà, comme quoi c'est pas un truc aussi simple que de rondelles. Parfois, quand on vient taquiner le centième, c'est vraiment, c'est pas évident. Alors là, au jeu, vraiment, c'est. Ah, c'est un film, hein. Selon moi, ça pourrait le faire. Hein. Mais bon, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc, ben, quand ça plaît pas, on recommence. Là, je vais m'entraîner sur cette, sur ce morceau-là pour tailler les rondelles pour voir un peu ce que ça donne. Voir pour la prochaine pièce, reprendre des cotes, etc. etc. Mais bon, bah voilà. Fail. Bon, bah j'ai avancé un peu et les nouvelles sont pas bonnes. Selon moi, ça va pas être possible. Avec mon matériel actuel et mes connaissances actuelles, c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, si je passe en dessous de cette tolérance-là, ce petit jeu qui me permet d'emboîter la pièce pile poil dedans, si je passe en dessous, je peux pas l'emboîter. Parce que les tolérances du tour, mes connaissances, enfin mes connaissances et mon matériel actuel ne me permettent pas d'avoir fabriquer des rondelles aussi précises à cet endroit-là autour d'un axe piston avec les contraintes que ça va prendre dans la tronche. Moi je vais m'arrêter là parce que c'est juste pas possible. Ça valait le coup d'essayer, mais là pour moi j'ai pas envie d'usiner une rondelle qui prenne du jeu et que la personne casse son moteur juste par orgueil en disant ouais je t'inquiète ça va le faire. Moi chez moi le ouais je t'inquiète c'est pas possible. Donc voilà, bon bah je suis pas content de moi, hein, ça c'est sûr, hein, c'est pas plaisant ce genre de choses. Mais bon, je préfère dire non plutôt que dire oui et je vais m'acharner dessus et qu'au final ça finisse par faire de la merde. Mais on va voir après ce que je pense qu'il faudrait faire plutôt que d'essayer de taper là-dedans et de faire cette combine-là. Allez, c'est parti. Eh bien, je vais revenir là-dessus, hein, sur ma petite mésaventure. Bon, bah, gros fail. Voilà, c'est tout. Ça marche pas. C'était parti avec beaucoup d'enthousiasme et tout. Je pensais que ça allait être faisable, mais moi, pour moi, ça va faire de la merde. Je suis pas du tout content de moi. Je suis pas du tout content du résultat que ça va pouvoir donner. Donc, je préfère m'arrêter avant d'assumer une casse moteur, clairement. Parce que là, si le moteur il pète, parce que la rondelle part dans le moteur, ce sera 100% de ma faute. Et hors des questions que je flingue un moteur juste par excès d'orgueil ou quelque chose comme ça en me disant ouais, mais c'est bon, j'ai fait ça aux petits oignons et tout. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je suis de moins en moins confiant parce que tout le temps de l'usinage, j'ai eu le temps de réfléchir. Vraiment, il y a des choses qui me plaisent pas du tout, quoi. Donc, voici la petite barre que j'ai usinée. Donc, c'est bien, ça fait un très beau support pour ranger ces axes pistons, hein? Mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors en fait, si ce qui se passe, c'est que si j'arrive à le prendre bien serré, en fait, l'axe piston à l'intérieur, si vraiment j'arrive à le prendre pile 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 poil bien gras et tout, quand bien même j'arrive à faire ça, ce qui moi quasiment impossible avec mon tour. Vraiment clairement, j'ai essayé, je me suis acharné, mais moi pour moi c'est pas possible. Même en y allant au papier à poncer, donc je m'étais dit avec du papier à poncer et tout, mais non, non, ça fait vraiment de la merde. Je peux pas arriver à avoir un truc vraiment digne de ce nom. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que de mémoire, je dis ça après, moi je suis pas tourneur fraiseur de base, hein, mais il me semble que l'alu, avec la température, se dilate plus vite que l'acier. Ce qui va se passer, c'est que même si ma petite rondelle qui va venir choper mon axe piston comme ça, donc là, ça c'est ma petite rondelle, mon premier essai là. Qui est foiré, mais on s'en fout. Il se passe que quand le moteur va chauffer, même si c'est emmanché bien gras, la rondelle va se dilater et elle va commencer à avoir du jeu. Et évidemment, plus ça va avoir de jeu, plus le moteur va monter dans les tours et plus il va chauffer et plus elle va reprendre du jeu et plus elle va se bouffer. Et elle va se bouffer à une vitesse, à mon avis, même si ça pèse un quart de demi-gramme, ce truc-là, à mon avis, ça va se bouffer à une vitesse relativement exponentielle, quoi. C'est-à-dire que plus elle va s'user, plus elle va avoir tendance à vouloir s'user, et pire ça va être. Donc, selon moi, c'est une idée de merde. Après, il aurait fallu sinon que ça fasse comme les roulements, quand on les emmanche dans les carters, il aurait fallu que ça s'emmanche avec la température. Mais bon, faire chauffer ça prend 2 secondes. Mais dès que ça va rentrer en contact, ça va refroidir tout de suite, de toute façon, donc ça va pas être métable. Emmancher une rondelle comme ça, la cage aiguille, le vilebrequin, remettre l'autre de l'autre côté, ça va être juste impossible. C'est complètement impossible. Pour moi, vraiment, là,
Là, clairement, je m'apprêtais à faire de la merde. J'ai osé espérer faire quelque chose de bien. Mais là, pour moi, enfin, je suis pas content. Je suis pas content. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça valait le coup de tenter, hein. Des fois, il y a des choses, ça se tente. Et puis, des fois, ça rate, hein. Ça arrive. Voilà. Alors après, moi, ce que je ferais, à la place de la personne qui m'a envoyé ce piston. Ce que personnellement j'aurais tendance à vouloir faire. Alors je ne connais pas toutes les références de cage aiguille qui existent. Sur un, deux, trois roulements, c'est la foire à la saucisse, il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est du n'importe quoi tellement il y en a. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vouloir faire, c'est prendre une cage aiguille un petit peu plus large que le piston et envoyer le piston se faire retailler par un fraiseur qui lui va aller le prendre bien, correctement à l'intérieur. Pour prendre le piston correctement dans une fraiseuse, ce que moi je ferais, j'ai pas de fraiseuse, mais ce que moi j'aurais fait si j'avais une fraiseuse, j'en aurais sûrement une après, hein, mais pour l'instant je l'ai pas. Donc ça aurait été de faire un support en PLA, hein, directement à l'impression 3D, pour venir enclipser le piston dedans, qu'il soit bien maintenu directement sur la table de la fraiseuse, la table croisée, et d'aller taper dedans tout doucement pour éviter de marquer le piston et pour éviter d'être obligé de le serrer comme un bourrin. Donc voilà tel que moi j'aurais tendance à vouloir le faire. Élargir un petit peu pour que la cage aiguille rentre dedans. Alors, il faut trouver des cages aiguilles qui font la bonne cote et puis laisser un ou deux dixièmes de plus pour que ça frotte pas trop. Et voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je m'arrête là parce que voilà, j'ai pas envie de faire de la merde. Je préfère des fois dire non plutôt que de faire de la merde. Donc, je vais renvoyer tout ça à la personne qui m'a fait confiance. Donc, voilà, j'ai pas trahi sa confiance au moins. Je lui ai pas fait de la merde, mais j'aurais pas réussi à résoudre son problème, quoi. Ouais, c'est comme ça, la mécanique et la magie, c'est deux domaines complètement différents. Si en claquant des doigts à la Copperfield, on pouvait y arriver à tous les coups, ce serait simple, mais malheureusement, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Voilà. Allez, salut.